still make breakfast for him. Is that true? Mm-hmm. Really? Really? Humble. Every day? Every single day. And approachable. She's the first lady of Senegal. He's a very lucky man. Very lucky, yes. You are true. He's lucky. This week on African Voices, in her first international television interview, we meet Her Excellency Mariam Faisal from Senegal. Mariam Faisal stood by her husband's side during the country's presidential elections last March. Nations General Assembly, while President Sall met with Ban Ki-moon and spoke to many heads of state, the First Lady sat down with me for her first international television interview. Mrs. Sall, thank you so much for speaking to CNN. I know that we have a little bit of a language barrier here. Mm-hmm. I'm going to speak to you in English. You will respond with your translator in French, but I know you can understand English, so let's have this conversation. Okay. What is life like as the First Lady of Senegal? Je suis contente d'être Première Dame. C'est une vie exaltante qui a des avantages, certes, mais il y a aussi des inconvénients. Je dois être exemplaire. Je dois être une bonne femme parce que tous les yeux sont braqués sur moi. Je me dois d'être correcte, d'être une bonne femme. Et puis d'être une bonne ambassadrice pour mon pays. I was very struck by you saying that it is an inconvenience in some ways, and you are aware of the fact that you are an example now. That must be hard to deal with, knowing that people are looking at you all the time. How do you cope with that? J'ai une équipe, et tout le temps les gens me disent il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. You have to be careful. Don't do that. You are the first lady. Everybody, tout le monde a les yeux braqués sur toi. Voilà, c'est pas évident, comme je l'ai dit. Je suis là, j'essaie de faire de mon mieux. I want to do my best. Mais voilà. Les gens, ils sont à côté, et puis il y a les gardes du corps. Voilà. C'est pas si compliqué, mais on essaie de s'y faire, vraiment. What do you think is the biggest misconception about you out there among the Senegalese people? Because you are shy, so as you speak to me, what is the one thing that you want the people of Senegal to know about you that you don't think they know they've got right about you up until now? Que je voudrais que les Sénégalais sachent que elles ont une première dame qui voudrait être à leur côté, une Sénégalaise comme elle, prompte à leur venir en aide, une Sénégalaise qui est consciente de ses charges, une Sénégalaise à qui elles peuvent faire confiance. Je serai une maman pour elle, une sœur, une confidente. Je suis accessible. Et je fais tout mon possible pour ne pas les décevoir. Parce que je représente toute une nation, tout un pays. Je dois être à l'image vraiment du Sénégal, une ambassadrice, être comme il faut, une femme vraiment comme il faut. Voilà. Et ce n'est pas toujours évident. One of the things I keep reading about you is that you're very humble, that you are very approachable. Parfois, les gens, ils me disent, vous surprenez les gens, vous êtes simple, vous vous habillez comme les autres, comme tout le monde. Je ne veux pas faire apparaître comme
une personne différente de mes compatriotes. Does it bother you then? Because I know the world of African politics, that in politics, and that's everywhere in the world, that there will be times when he's been criticized in the papers, he has opponents, he has critics. How do you cope with the criticism that he faces, bearing in mind you are such a supportive wife? How bothered are you by some of the negative stuff out there? Je me suis préparée, et puis lui aussi, il nous a préparés. Même mon fils qui est là, je lui dis, ton père, il est là, il est président. C'est sûr, sûr que tu vas entendre beaucoup de choses. Je me suis préparée et chaque matin, je me dis, Marem, c'est sûr que tu vas entendre des choses. Mais il faut faire face, c'est le prix à payer d'être l'épouse d'un président. What was your life like before you became First Lady? Tell me about life then. Avant d'être première dame, je suis femme au foyer. J'ai été à l'université. En première année, j'ai eu mon premier enfant. Et j'ai décidé de mon propre chef d'arrêter pour m'occuper de ma famille. Et je ne l'ai jamais regretté. Après, j'ai été à côté de mon mari, soutenir mon mari. Et puis voilà, j'ai vraiment mené une vie paisible. How did you meet your husband? Vous êtes curieuse. Alors, il est ami à mon professeur. C'était élève. J'ai rencontré mon mari par le biais de mon professeur d'électrotechnique. Ils étaient amis. Et voilà, il me l'a présenté. Et voilà, comme ça, c'est venu. When you met him and when your relationship started, did you know that he was interested in politics? Oui, je savais qu'il faisait de la politique, mais pas comme ça. Il était ingénieur, il venait juste de terminer ses études. Il était en stage à Djourbel. Djourbel est une région du centre. J'étais là-bas avec mes parents. Have you always been comfortable with him being in the political spotlight? Au début, je ne voulais vraiment pas. Parce qu'au début, je venais d'avoir mon bébé. Et il commençait à sortir pour aller à des réunions. Je n'aimais pas. Sincèrement, je n'aimais pas. Je disais, pourquoi sortir tout le temps? Il dit qu'il avait des réunions par-ci, par-là. Et je n'étais pas confortable. Vraiment, je n'aimais pas du tout. What changed? La vie. Life? Life. Life. Back then, did you ever think he would be president of Senegal? Did you ever dream that you would be the first lady? J'ai jamais pensé être première dame. J'ai jamais pensé être première dame. Mariam Faisal likes to regard herself first as a loving wife and mother of three. She's also a proud Senegalese woman, and now as first lady, she's becoming a mother figure to her country. Je voudrais être vraiment proche d'elle, être, comme je l'ai dit, une amie, une sœur, tout ce qu'elle veut. Mais pas qu'elle me regarde d'en haut, je voudrais être à côté d'elle.